Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade with Fire and Sword. Et je vous avais laissé, on va reprendre, je vous avais laissé... Ah oui, c'est vrai, on courait après ce satané tsar qui avait complètement disparu de la circulation, ce qui est quand même un peu ridicule. Ce qu'il nous faut, parce que là il y a urgence. On n'a plus des masses de... Enfin si, il nous reste de l'argent, mais... il faut surtout pas qu'on ait un coup hebdomadaire d'un coup. Je peux même pas passer ces unités de niveau. Parce que si on a un coup hebdomadaire, on va se retrouver avec un gros problème qui est... on n'aura pas assez d'argent à donner au tsar. Donc, gros problème. Là, ce qu'il faut qu'on fasse... On a combien de temps pour faire cette quête? Quête accomplie, on a la... D'accord, il faut juste qu'on le retrouve. Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, parce que là on commence à avoir des problèmes, ce qu'il nous faut c'est nous faire des missions, on va livrer des vins à Pskov. Il faut qu'on fasse des missions de manière à renflouer un peu les caisses, parce que là on est ras les pâquerettes. Bon, j'en ai 4000 sur moi, sauf qu'en fait, pas du tout. Pskov, c'est où Zapsos? Oh, j'arrive pas avec les noms. C'est débile. Là je suis un petit peu limite... Où est la ville? Je cherche la ville de Pskov. 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 Ah bah elle est là. En plus c'est le royaume de Moscou, donc il faut qu'on trouve le tsar. Donc on va essayer de le trouver. Allez, le truc encore plus drôle, c'est que... J'ai du vin. Je suis en train de le boire le vin, mais c'est pas grave. Il va falloir qu'on se méfie, on a plus beaucoup de nourriture en plus. Oh, c'est la galère. C'est la grosse galère ce jeu quand même. Taverne. Mousquetaire, client de taverne. Victor de la Boscador. Victor de la Boscador. Ok, 110 à l'heure, on a atteint le niveau 8. Parlez au maire. Est-ce que t'as un travail? L'un de nos... Réval. Ouais, ça peut se faire, les troupeaux c'est assez rapide. Zut, je voulais juste vérifier. Il y a quelqu'un à la forteresse? Non, il y a personne, évidemment. Bon, ok, il y a personne, c'est pas cool. M'énerve un peu. Donc il faut qu'on aille où? Je vais m'occuper de ce troupeau. 86 têtes. Il faut qu'on aille à Réval. Réval qui est... Oh, ça va, c'est pas loin. Ok, j'y vais. Ok, on y arrive. On est proche de Réval. On y est là. C'est bon. Ok, du coup, il faut que... Parler au maire. Au maire de Pskov ou au maire de Réval? Ah. Ok, d'accord. Ah non, il n'y a qu'une dame, ça sert à rien. En plus, c'est même pas l'Empire de Moscou. Donc du coup, il faut qu'on retourne à Pskov. Faut vraiment que je trouve ce tsar. Parce que là, il y a urgence. Ok, 192 tout à l'heure. On a une renommée qui s'est améliorée. Ok. Mère, est-ce que tu as un autre travail? Ah, une rançon. Ça peut se faire. Ouh! On reçoit 120 à l'heure? Allez, cool. Il y a toujours personne ici, il y a toujours personne ici. Il faut qu'on aille où? De Tapio. Près de Tapio. Tapio. Ok, petite bataille, on est tombé contre des pilleurs. Bon, bah, il y a 3 troupes et demie, voilà. 41 troupes prêtes, je me suis engagé avec des gens. Voilà, c'est juste histoire de faire un peu de baston pour une fois, parce que là, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et bon, c'est des pilleurs. C'est pas non plus ultra compliqué. Ça ira bien. Le truc, c'est qu'il faut vraiment qu'on trouve ce tsar. Bon, j'aurais dû fermer mon messenger, mais si je coupe maintenant, il va y avoir une désynchronisation du son. Et ça va pas être bien. J'espère que ça va pas trop faire bip bip. Évidemment, il y a des gens qui font bip bip. Ah oui, j'ai fait une option qui indique quel côté je vais attaquer. C'est plus pratique. Non, mais par contre... Non mais... Oula. Défoncé. Ok. Donc voilà, on a aidé, ça fait rien. Je vais... vite fermer mon messenger, parce que là, ça commence à me péter les noix. 2 secondes.
Donc ça y est, on peut reprendre, j'ai coupé mon messenger, normalement il ne devrait plus y avoir de bruit, j'espère. Donc on va aller à Typio, alors ils sont du côté de Typio, allez voilà. Allez, contente-toi de libérer la fille. On va récupérer la fille et on va la ramener. Ramener où d'ailleurs? J'ai déjà oublié. Pskov, Pskov, Pskov. Qui est pas à côté. Bon, allez, on y va. Eh merde, le groupe est affamé. Bon, ok. Rentre sur la place du marché, marchande bien, il me faut. Oh, ça coûte pas cher. Allez, c'est les soldes. Voilà, c'est bon. Le groupe n'est plus affamé. Par contre, c'était sûr. 4018. Oh la loose. Bon, on va parler au maire. Voilà, 120 à l'heure. Je commence à monter de niveau. D'ailleurs, il faut que je fasse monter un peu tout le monde. Est-ce que tu as du travail? Escorter un convoi, Riga. Allez, on y va. On fait plein de missions. Il faut vraiment que je suis trop ricrac niveau sous. Il faut vraiment que je m'en occupe. Et pour ça, il faudrait que je sois vassal. Riga, c'est où Riga? C'est là. Ça y est, on a récupéré un petit peu quelques talents, quelques points d'expérience. Je gagne vraiment beaucoup de points d'expérience grâce à ça. Par contre, trouver ce punaise de. Ah! De tsar! Que je puisse leur rendre les sous et qu'ils m'enfilent une petite partie. Pour ça, il faut que je retourne au royaume de Moscou parce que sinon, on va pas y arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dis-moi qu'il y a quelqu'un. Ah non, t'es une dame? Ah. Bon, ok, les dames, elles veulent pas me dire où est-ce que sont les gens-gens. Bon, c'est une quête de la guerre, tout ça. Essayer de les faire s'arrêter, sauf que ça va être compliqué de se faire arrêter les seigneurs qui se tapent dessus avec des armées de 200. Bon. On va aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah oui! Oui, il y a quelqu'un. Dis-moi que tu sais. Non. Oh, merde. Zut. Ben allons-y. Rejoindre le royaume de Moscou, c'est ce que je voulais faire. D'accord. Relations avec République de Pologne sont détériorées de passant de 50 à moins 40. Royaume de Moscou amélioré de 0 à 12. D'accord. Ok, bon, moi je me lance en campagne d'abord. Merde, non, mais c'est pas ça. Nya, mes soldats ont été capturés. Heureusement, ok. Je n'ai aucun prisonnier. Ouais, mais il faut que je les trouve. Ah oui, d'accord, il faudrait que je tatane les prisonniers suédois. Enfin, les reîtres suédois. Enfin, il faut que je tatane des suédois. Bon, pourquoi pas, hein. On se trouve quelqu'un. Où se trouve le tsar? Mais il sait pas où il est. Oh, ça me fait rager. Alors attendez. Parce que là j'ai pris des quêtes. Trois reîtres suédois prisonniers. Alors les suédois ce sont les gens en bleu. Du coup on va aller du côté des suédois. Va falloir qu'on tatane des suédois ça veut dire. Bon, retour à la baston. D'ailleurs il m'a filé un petit peu d'argent. Ah ça coûte un petit peu. Alors il va falloir qu'on gagne, hein, parce que sinon, c'est la caca. Alors toi, on va te faire monter de level. On va te faire monter de level, mais te faire monter de level en quoi? Parce que t'es un très bon ingénieur. On va te faire monter en repérage. Tactique. Tactique, ça peut être utile. Comme ça, on a plus de gens-gens sur le terrain. Ok, et il me reste moi à monter. Donc moi je suis monté en soins. On va continuer de monter en soins.
et les armes à une main. Alors attendez. Vu que vous rejoignez sa nouvelle campagne militaire, il vous faut... D'accord, mais c'est où? C'est où? Le seigneur de guerre Yuri, machin... D'accord, on va rejoindre une campagne militaire, mais c'est où? Je suis d'accord. Il était à château de Mialesk. Oh là là. Mi-machin. Château de mi-machin. Qu'est-ce que c'est? C'est où? J'espère que c'est pas à l'autre bout du monde. C'est chez nous? Ah, il est là. Ok, d'accord. Eh ben, on y va. Novogrod a été assiégé par le baron Christopher Blog du royaume de Suède. Ok. Je vais déjà rejoindre la campagne. Ah, vous êtes là. Yuri machin, c'est ça? Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je crois que j'ai fait le con. Ah la loose! Pourquoi je suis au milieu de tout ça? Comment on peut faire? C'est ridicule. Ok. On en a perdu plein, je suis sûr. On n'est plus que 9, évidemment. Mais qu'est-ce que tu foutais là, toi aussi? Pourquoi t'étais au milieu de tout ça? Ok. C'était toi qui me demandais, c'est ça? Non? Oui? Yuri Boyenov, le Rososki. Ah, c'est toi là-bas? Pourquoi t'étais au milieu de tout ça aussi, banane? Mais du coup, j'ai plus d'une seule troupe. Mais c'était quoi cette loose des ténèbres? Du coup, j'ai plus le temps. Et merde, il y a des bandits dans ce village. Bon, allez, on y va, histoire de... Mais c'est tellement la loose. Vous imaginez pas à quel point à quel level de désespoir je suis. Comment je fais pour être aussi nul? Ou alors ne avoir aussi peu de chance? Je veux dire, j'ai peut-être pas joué, mais là quand même, j'arrive, il y a tout le monde qui m'explose, j'ai pas compris. Aïe, oui, je suis au milieu de tout ça là. Et oh! C'est n'importe quoi. Eh oh! Pourquoi il a rien subi lui? Quoi? N'importe quoi. Ok, c'est la merde noire. C'est la merde noire. Bon, ok, j'ai plus une thune, je suppose. Ah si, j'ai encore de la thune, mais j'ai pas beaucoup de thunes. J'aurai jamais le temps de récupérer des mercenaires. Patrouilleur. Bon, allez. Ah merde, pourquoi je me suis rendu? Ok, ok, j'ai fait de la merde. Mais genre... C'est... Et j'ai perdu un paquet de deniers. Et pourquoi je suis... Il en reste deux? Ah bah il me reste le héros. Ok, on s'est échappé à la coupe de héros. C'est pas mal. Bon, ok, il va falloir qu'on se refasse. 13? Ah oui, et moi je suis à Walp.
J'ai tout perdu, je suis à Walp. Bon, vous y croyez, vous? Je suis totalement à Walp. Sachant que j'aurais sans doute... je vais pas y arriver à cette mission. D'accord. Il a été assommé tout de suite. Bon, je pense que j'ai perdu, hein. C'est débile. Bon, ok. Je me casse. Je me casse. Faut que je retourne là-bas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, je peux plus rien faire là, je suis. Bon, j'ai plein de thunes, mais elle est pas à moi cette thune. Encore que, il semblerait que je puisse la garder un petit peu. J'ai pas une seule trouble, je suis en train d'en refaire, mais ça va être. Merde. Raitre. Ah, ça peut se faire. Ah, mais non, mais je suis toujours à Walp! Filez-moi de vos armes! Ah, sauf que les raids qui sont à canasson. Ok. Il est encore en mode mon cheval. Oui, je vais me faire défoncer. J'inflige 0 de dégâts. C'est fort, hein. Allez, viens là. Oula. Allez. Superbe baston. Alors, vraiment, on les défonce. Je me nique les poings sur sa gueule, mais c'est pas grave, je suis en train de le défoncer. Allez. Allez. Aïe. Je suis plus un PV. Ah bah ça y est, je suis mort. Comment dire? Je suis fait prisonnier? Encore perdu dès tout à l'heure? Comment dire à quel point je suis frustré? Parce que là, on est déjà à 4 morts et j'ai envie de dire... C'est fini, là, c'est wipe the game, c'est le let's play est terminé, je peux plus rien faire. C'est débile. Comment dire? Je pensais que ça durerait plus longtemps ce let's play, mais en fait, je crois que je vais arrêter là. Je vais arrêter les frais parce que c'est. Ça va pas du tout. J'ai l'impression que pour ce jeu, c'est un peu comme dans certains jeux où il faut recommencer 100 fois, 120 fois, ou alors il faut pas du tout le faire avec l'autosave d'activer. Parce que l'autosave, ça pue du slip. Dans le sens où, là, j'ai fait une grosse connerie qui a été de foncer dans le tas parce que je savais pas trop où j'allais. Je me suis fait défoncer, là, par l'armée de... L'armée de quoi? Ça appartient à qui, ça? De l'armée de la République de Pologne. Il y avait toute l'armée contre moi. J'étais abruti. Pourquoi je l'ai pas vu? Parce que j'ouvrais pas les yeux. C'est ma faute. C'est complètement ma faute. Et... Voilà. Comment dire? Je suis frustré par ma connerie, et en même temps je suis frustré parce que je peux pas. Je me suis empêché de la sauvegarde parce que je voulais le faire legit. Je me suis empêché de gérer les sauvegardes manuellement, parce que ça c'est. Je trouve c'est un peu facile dans ce genre de jeu, mais pas très réaliste. Parce que du coup, il suffit de recommencer plein de fois, on sauvegarde toutes les 2 secondes, on recommence à chaque fois qu'on est bien. C'est facile, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais en même temps que je me dis que me voir perdre en boucle, c'est pas très intéressant non plus. Du coup, je vous propose, on arrête les frais. On arrête là. Tant pis si ça a été une série de 3 épisodes.
Bon, ça a été trois gros épisodes, d'ailleurs, ça m'a pris bien trop longtemps pour les uploader. Pour vous donner une idée, l'épisode 1 qui fait environ 40 minutes, j'ai mis 2 jours à l'uploader avec ma connexion de merde. Du coup, on va peut-être arrêter là, je vais. C'est pas plus mal que ça s'arrête là. Parce que c'était pourri. Je pensais m'être amélioré, mais en fait, c'est tellement random, il suffit qu'une partie démarre très mal, comme là un peu, que vous faites que je fasse des conneries. Enchaîné et là ben, c'est fini, le display est terminé. Du coup, ce que je vous propose, on va faire enfin on va arrêter là le display et dans 4 jours on va en entamer un autre. Je pense que ça va re-être du Age of 3, du Age of Empire 3, tout simplement parce que bah, parce que j'aime bien, je me suis remis dedans il n'y a pas très longtemps et que j'ai envie de finir toutes les campagnes. Du coup, on se relancera dans The Age of Empire 3 pour quelques épisodes. Et une fois qu'on aura fini ces quelques épisodes, on passera, bien entendu, à Mountain Blade Warband. Et là, ça va aller mieux, parce que Warband, je sais jouer. Warband, c'est plus simple. On va se mettre des objectifs un peu plus forts, parce que la dernière fois, on avait fait une bien bonne saison. Et là, on va faire à peu près la même chose, mais sur un jeu sur lequel je sais jouer, parce que, actuellement, sur Wizfire and Sword, je pue du slip. Enfin voilà, bon bah j'espère que ces trois épisodes de la loose vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire que c'était nul, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Je suis parfaitement conscient que c'était complètement nul. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vais uploader ces vidéos sur la chaîne. Si, je sais pourquoi. Tout simplement pour vous montrer que je fais ça en mode legit. C'est-à-dire que si je perds, je perds. Là, j'ai aussi un peu la flemme de réenregistrer trois épisodes pour les uploader. En une semaine, voilà, ça me fait un peu, ça m'énerve un peu. Du coup, on va arrêter les frais là, c'est pas plus mal. En tout cas, j'espère que ça vous aura bien fait marrer cet épisode de la loose, ou ça vous aura bien fait rager devant notre écran en disant, mais pourquoi t'es aussi nul? Oui, bah oui, je sais, je suis nul. J'essaye de me soigner, mais j'y arrive pas, donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à ne pas partager cette vidéo parce que c'est quand même un peu ridicule. Et puis voilà. En tout cas, moi je vous retrouve dans 4 jours pour donc un nouveau let's play. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.